Ultraman, Ultraman, lui qui va dans le ciel. Ultraman, Ultraman, lui qui vient du soleil. Le voilà tout seul à bord de son avion supersonique, le héros de l'ère atomique. On l'appelle Patrouille scientifique, organisation pour la protection du genre humain, utilise pour mener ses enquêtes toutes les ressources de la technique moderne. Toujours à l'affût d'un danger qui peut menacer le monde, elle exerce sur lui une vigilance de tous les instants. Hayata, au rapport! Je vous écoute, Hayata. Vous semblez inquiet? Qu'est-ce qu'il y a? J'ai repéré un objet volant non identifié se dirigeant sur la forêt de Gamori. Surtout, continuez de le garder à vue. Dès que vous l'aurez identifié, avertissez-nous. Et dites-nous s'il change de direction. D'accord. Enregistrez ce qu'il dira au magnétophone. Oui, chef. Il s'agit d'une sphère volant à la vitesse de Mach 2. Je vais essayer de la voir de plus près. Venez chanter aussi! Regardez, c'est ton genre! On ne peut pas le choquer! Regardez, c'est ton genre! Quelque chose d'anormal? Ici la police de la forêt de Gamori. Nous vous signalons un incident grave. Un groupe de jeunes gens qui campaient près du lac certifie avoir vu deux mystérieuses sphères volantes, lesquelles ont maintenant complètement disparu. Hein, où ça? La première sphère est tombée dans le lac et s'est enfoncée sous l'eau. Par contre, la deuxième boule s'est écrasée. Un avion l'avait prise en chasse. Il y a eu collision et tous les deux se sont écrasés dans la forêt. Allô, allô, le secours scientifique, oh, la vous forêt. M'entendez? Les arbres vous m'entendez? Qui Ben, je vous entends mal. Hein? Oui. Vous dites qu'ils se sont écrasés? Oui, la sphère et l'appareil. Fuji. Oui, chef. Contactez Hayata. Bien, chef. Approchez-vous le plus près possible. Cherchez s'il y a des survivants. C'était l'appareil répondez, d'Hayata. Hayata. Vous me recevez? Répondez, Hayata. Oui. Répondez, Hayata. Hayata, est-ce que vous me recevez? Rassemblez tous vos hommes disponibles et organisez une battue également dans les environs. Hayata, vous faites vous vite, au cas où il y aurait des blessés. Hayata, est-ce que vous me recevez? Et appelez-nous dès que vous aurez de nouveaux éléments. Allô, Hayata. Hayata, m'entendez-vous? Hayata, est-ce que vous me recevez? Allô, Hayata? Vous m'entendez? Hayata! Hayata! Allô, Hayata! Vous entendez? Répondez, Hayata! Est-ce que vous me recevez? Une mission! À vos postes! Là-haut, par ici. Oui, où donc? Oh, tenez, là, oh, regardez. Oh, 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 oh.
Hayata, agent de la patrouille scientifique. Écoute. Je suis Ultraman. Je viens de la nébuleuse M78, au-delà de la 40e galaxie. J'escortais le monstre radioactif Benla jusqu'à la nébuleuse 90, en vue de sa destruction, lorsqu'il m'a échappé et attaqué vers la Terre. Je l'ai poursuivi jusque dans votre atmosphère. C'est alors que nous sommes entrés en collision. Je veux réparer le mal que je t'ai fait. Et pour cela, je n'ai qu'un moyen, de donner ma vie. Désormais, toi et moi, nous ne ferons qu'un. Et ainsi, nous combattrons pour maintenir la paix sur ta planète. Tu conserveras ta forme humaine. Pour tous, tu resteras Hayata. Mais prends cette capsule, Vegeta. Chaque fois que tu seras en difficulté, utilise la capsule Vegeta. Et toi aussi, Hayata. Tu deviendras Ultraman. 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 Mais voyons, faites quelque chose. C'est dangereux, peut-être. Elle prend de la hauteur. Qu'est-ce que c'était, une explosion? Regardez. Oh, approchons plus près. Là, je vois du monde. Capitaine, par ici. Ils sont peut-être blessés, vite. Ils ont reçu un choc. Essayons de les ranimer. Hé, allons, réveillez-vous. Alors? Réveillez-vous. Ça va? Comment vous vous sentez? Il y a eu plus de peur que de mal. Pas de blessés, je crois. Essayez de vous lever. Oh. Capitaine, c'est l'appareil d'Hayata. Capitaine! N'est-ce pas? Il n'avait aucune chance, hélas. C'est très étrange. C'est curieux. Je ne vois son corps nulle part. On a vu l'aviateur, pourtant. Nous en sommes absolument sûrs. Une lueur étrange est soudain apparue sur le lac. Oui, je l'ai vu. Le corps de l'aviateur a été soulevé et élevé graduellement dans les airs. Qu'est-ce que c'est que cette histoire? Si, je vous assure, nous étions là, nous l'avons vu. Oui, c'est vrai. Non, c'est une blague. Allons! Mais nous l'avons vu, tous. Je vous le jure. Qu'avez-vous vu d'autre? Eh bien, voilà. Peu après, la sphère a fait explosion au-dessus du lac. Vous avez tort de ne pas nous croire. Pourquoi mentirions-nous, capitaine? J'ai l'impression qu'il s'agit d'une chose extraterrestre qui vient de l'espace. Capitaine, je suggère de rechercher Hayata. Il est possible qu'il soit encore vivant. Oui, excellente idée. Voulez-vous nous y aider? Oui. Nous n'avons pas encore trouvé le corps. Capitaine, l'aviateur toujours a été introuvable. Pour la dernière fois, peu toujours, avant oui. L'explosion. Nous continuons les recherches. Un autre groupe de policiers fouille le secteur nord. Le mieux à faire, c'est de poursuivre les recherches jusqu'à la nuit. Je vous écoute. Capitaine, avez-vous retrouvé Hayata? Non, Fuji, non. Nous serons de retour au quartier dans une heure. Oh, j'ai mis Hoshino au courant pour Hayata. Il se fait vraiment beaucoup de soucis. Dites, capitaine, il n'a pas été tué? Vous êtes sûr qu'il est vivant? Écoute, Hoshino. Nous l'espérons tous. Il n'y a aucune trace de lui ici, ce qui donne à penser qu'il est vivant. Essaie de ne pas te tourmenter. Bien, capitaine. Tu vois, le capitaine dit qu'il est peut-être vivant, et moi, j'en suis certain. Oh. Tu as vu, là, sur le lac? Allons voir. Non, évacuez le secteur tous. Évacuez le secteur tout de suite. Évacuez. Partez. Éloignez-vous. Partez. Évacuez le secteur. Allons, recule. Un monstre sous l'eau. Évacuez, vite. Partez. Non, mais...
sorti a dû tomber dans le lac hier soir. La sphère était un monstre. Reculez, reculez, dégagez. Je crois que tu peux arrêter le magnétophone, c'est absolument inutile. Vas-y, arrête-le. Et si Hayata donne de ses nouvelles? Eh bien, on le mettra en marche à nouveau. Ici le quartier général du secours scientifique. Allô, Fuji, tout va bien au quartier? Hayata! Oh, dites-nous où vous êtes. La patrouille et la police vous cherchent partout. Peu importe où je suis. L'important, c'est de m'envoyer le S16 au milieu du lac Gamori, le plus tôt possible. Vous dites bien au milieu du lac. Je viens tout de suite. Je peux venir aussi? Non, tu ne peux pas. Il faut que quelqu'un reste au service ici. D'accord, je reste. Mais si je pouvais venir, je serais bien plus content. Où est-il? Il a complètement disparu dans le lac. J'ai l'impression qu'il va se montrer à nouveau. Allô, j'appelle S16. Comment se fait-il que vous survoliez le lac? Je n'en ai pas donné l'ordre. Capitaine, c'est Hayata qui a voulu le S16 dans ce secteur. Hayata? Ouais, Fuji, dis, tu crois pas que tu as rêvé? Non, je suis sûr d'avoir parlé à Hayata en personne. Je descends maintenant. Non, non, Fuji, attention, non, surtout pas au milieu du lac! Hayata tout à l'heure a bien insisté. Il a dit au centre du lac. Capitaine, cette pauvre Fuji, j'ai l'impression que ça ne tourne pas rond dans sa tête. Oh, c'est impossible. Elle est très intelligente, elle s'acquitte bien de ses fonctions, mais ne perdons pas de vue que c'est une fille. Et bien malin celui qui sait ce qui se passe dans leur cervelle. J'ai entendu, Ito, je vous revaudrai ça. Capitaine, c'est Hayata. Mura appelle Hayata. Mura appelle Hayata. Où étiez-vous toute la nuit? On a organisé des battues monstres dans toute la région. Je regrette d'avoir à signaler l'affaire de mon appareil. Comment se fait-il que vous n'ayez rien? Comment avez-vous survécu à l'accident? C'est lui qui m'a sauvé. Qui ça? Qui vous a sauvé? Capitaine, le plus urgent pour l'instant, c'est de s'emparer de Bemlar. Bemlar? Qui est-ce Bemlar? C'est le nom du monstre qui s'agite au fin fond du lac. Je vais l'attaquer. Et avec un de nos sous-marins, essayez, surtout tenez-vous prêt à en faire autant s'il fait surface. Ce monstre représente un énorme danger. Entendu. Bonne chance. Fuji, posez-vous pour nous prendre le plus vite possible. Oui, j'arrive tout de suite. Tu aperçois le monstre, envoie-nous le signal. Nous sommes prêts à l'action. Thank you.
Ça y est, je vois le monstre, toi, devant. Coupez les gaz et attendez. Coupez et attendez. Oh, c'est même là. Nous allons l'attaquer par l'arrière. Ah, oui, capitaine. Feu. Capable désormais de devenir à son gré l'être extraordinaire de la nébuleuse 78, Hayata, grâce à la capsule Beta, se mesure avec le monstre. Et ce n'est plus Hayata qui lutte avec des forces prodigieuses, c'est Ultraman. N'aie pas peur de cogner. Capitaine, il tombe à l'eau, capitaine. Cette lumière. Un signal d'alarme, je pense. Il est possible que ce soit à court d'énergie. Oh, j'espère que non.
Les clignotements sont de plus en plus fréquents. Oh, je crains bien qu'il n'ait pas le dessus. Ah, aucune chance, il n'a pas de courant. C'est la victoire. C'est étrange. Il est parti. Oh, voici Hayata. Oh. Salut, Hayata. Oh. Hayata! Oh. Hayata! Hayata! Que je suis content de te revoir. Alors ça va? Jugez pas vous-même, les amis. Et tu es vraiment Hayata? C'est bien toi? Bien sûr que je suis Hayata, voyons. Hayata et personne d'autre. Capitaine, on est venu à bout du monstre. Oui, il est mort, grâce à un homme venu du ciel. Un homme de l'espace, hein? Quel dommage que nous ne puissions le remercier de ce qu'il a fait pour nous. Est-ce lui qui vous a sauvé quand vous étiez dans la gueule du monstre? Oui. Dis-moi, Hayata, écoute un peu ici. Tout ça n'a l'air d'avoir aucun secret pour toi. Alors donne-nous le nom de l'homme pendant que tu y es. Je ne lui connais aucun nom. Aucun? Il est comme tout le monde, il a bien un nom. Ah. Essayons de lui en trouver un. Que diriez-vous de Ultraman, ça va? Ultraman? Ultraman. Qu'en dis-tu? Ben, ça me paraît... Je trouve ça ultra bon. Oh, mais Ultraman n'est plus là, il a quitté la Terre. Mais si, il est là. Il a perdu son appareil qui s'est écrasé au sol. Il ne peut plus quitter la Terre maintenant. Hmm. Vous avez de la chance, Hayata, beaucoup de chance. Oui, capitaine, j'en suis parfaitement conscient. Mission accomplie, rentrons à la base.